guys, if you like this video, be sure to hit that subscribe button down below and be sure to comment what some of your favorite solos are. I want to give a huge thank you to the sponsor of this video, Submission Audio, with their awesome new
upon my liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet. I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. There's a man going round
taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will bring his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's very hard to kick against the pricks. In measured penny weight and 100 pounds. When the man comes around. Shut your woman down.
got a warrant just to read it to leave. Shot her down because she made me sore. I thought I was a daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. I had no friends for to go my bail. They slapped my dried up carcass in that county jail.
I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. San Quentin, you've been living hell to me. You've galled at me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago, I stopped asking why. San Quentin, what good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind, and you warp my soul. And your stone walls turn my blood a little cold.
Voilà. Donc là, ça sera un peu mieux. Effectivement, j'ai même pas fait gaffe. Hein. Puis tout à l'heure, je parle tout seul alors que le Yeti, l'entrée audio n'a pas été branchée. Là, ça devrait marcher un peu mieux. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire, mis à part cette scène horrible derrière qui est la scène par défaut d'Unreal? J'étais en train de faire de l'interface, tout simplement. Donc, j'étais en train de créer un menu ici de sélection. Et donc, on a trois boutons qui ont l'air identiques, mais ils ne le sont pas parce que j'ai du contenu différent que je peux mettre dans Unreal. Donc là, je peux changer l'image de fond, l'image du haut et du bas. Donc, pour le contenu, le titre, etc. Je vais faire un play. On va regarder. Alors, le contenu est un peu complexe dans les explications. Qu'est-ce que c'est que ce programme? C'est un programme que j'aurais pu faire en web, mais le but c'est de donner une introduction au jeu vidéo. Moi je travaille en interface et UX jeu vidéo depuis quelques années sur console et PC, et je donne cours également. Donc là samedi, je donne cours à Valenciennes pour une classe que je n'ai jamais eue. Et je propose différents parcours d'apprentissage. Donc, dans les différentes sessions qu'ils vont avoir avec moi, ils ont le choix entre faire un parcours God of War, Zelda ou Jedi Fallen Order. Pourquoi pas faire d'autres licences? Là, c'est celles que j'avais en tête, qui sont pas trop difficiles à réaliser. Donc, on a l'explication du programme. Donc, lundi 3 février, on aura du Photoshop. Je vais expliquer comment faire. Est-ce que je suis ingénieur? Oui et non, quoi. Enfin, c'est plutôt graphiste, on va dire. Même si je fais de la programmation derrière. Donc là, dans les dernières choses que j'ai bossé sur Ghost Recon. On est plusieurs hein, dans l'équipe. Et avant, j'ai bossé dans des jeux dits double A chez Cyanide Studio. Donc j'avais travaillé sur Styx, Call of Cthulhu et un jeu de tactique tour par tour qui s'appelle Spacehulk. À Cyanide, je travaille sur Unreal Engine que j'aime plutôt bien comme programme car elle est plutôt facile au niveau de la programmation. Et donc c'est pour ça que dans mon temps libre, je continue de travailler dessus. Donc là, j'en étais arrivé donc à ce menu de sélection qui fonctionne à peu près au niveau des interactions et du contenu. Donc là, on a le contenu personnalisé. Je peux créer des nouveaux boutons et mettre ce que je veux dessus. On a les images, etc. Et normalement, le fond est à peu près adaptatif à différentes résolutions, même si celle de base, c'est le 1920 par 1080. C'est celle que j'ai ciblée. Là, j'ai envie que l'état hover fonctionne un peu mieux, parce que l'état hover n'a pas l'air de trop fonctionner. Et l'idéal, pour améliorer l'ensemble, ça serait que cette interface-là ne soit pas présente qu'en 2D, mais dans l'environnement 3D. Donc, le fixer soit sur une sorte de poste de télévision dans un environnement 3D qu'on peut se déplacer. Voilà. Enfin, le but, c'est de s'amuser un petit peu avec le programme et voir ce qu'on peut faire dessus. Bon, déjà là, on a déjà un truc assez sympa, surtout qu'on a fait des petites animations qui fonctionnent plutôt bien en ouverture. Et je pense que le programme ne doit pas être si lourd que ça, donc ça va. On va quand même justifier l'usage d'Unreal, hein, parce que c'est pour faire que de la 2D, ça serait un peu abusé, mais bon, ça reste de l'interface. Donc là, on a notre bouton, on a le style normal avec un border dessus noir. Le hover n'avait pas vraiment l'air de fonctionner, alors pourtant j'ai mis une image, mais je pense que il la prend pas en compte. Juste pour tester, je vais changer certaines options. On va le mettre en box aussi et on va save et tester comme ça. Oui, ça c'est le problème du vocabulaire des fois. J'oublie d'expliquer. Désolé. Désolé, désolé. Là, j'ai créé un état, comme tu peux voir, que quand je passe la souris, donc on voit pas le curseur, mais quand je passe dessus, on a déjà une petite interaction où le bord du bouton change de couleur, donc ça permet de localiser où est la sélection. C'est très basique. L'idéal au niveau du visuel, c'est de rajouter d'autres effets. Donc, quand je passe ma souris,
où la manette, on peut faire que ça fonctionne avec un contrôleur. Donc là, oui, il faut pas faire ça avec les élèves. Les élèves, je pense que parfois, ils ne comprennent rien du tout. Non, non, ça va, ça va. Ça va, je leur dis bien de... En fait, je fais vraiment un gros cours d'introduction au début. Et c'est des problèmes de vocabulaire, vraiment qu'ils n'hésitent pas à m'arrêter pour comprendre. Mais en général, le cours d'intro permet de revoir tout ça. Bon, là, j'ai ma petite manette PlayStation, même si c'est plus facile à tester sur PC, car elle est reconnue directement la manette Xbox. L'avantage, c'est que sur le programme Unreal, on reconnaît directement ces manettes-là, surtout la manette Xbox. Voilà, donc là, moi, je sais pas à quoi tu te dédies, Jay. Si tu bosses également dans l'informatique, ou pas du tout, d'ailleurs. En tout cas, c'est sympa que tu suives le stream. Je t'avoue que j'ai bientôt arrêté, il est 1h du mat, 1h30 du mat, et demain il y a du boulot, mais on va quand même avancer un tout petit peu plus pour faire une petite animation qui va être l'animation du fond. Donc là, si tu connais, ça ressemble un peu à After Effects. On va faire une Selected Anime. Alors, je suis très nul à chaque fois pour le nommage, à chaque fois j'oublie ce que je fais. Sur l'animation de sélectionner, je sélectionne mon calque du fond. Et je vais juste faire une animation de scale, donc de zoom dessus. Donc là, on a un scale. On va faire que quand on passe dessus, ça va zoomer. Ah oui, mais du coup, il me prend le point de pivot du dessus, donc ça va un peu gêner. Ça va faire un peu n'importe quoi, du coup. Bon, ça passe encore, limite. Ça va. Vu que mon cadre derrière, c'est mon écran, on verra pas que l'image dépasse de mon écran. Tu es dans la performance stratégique commerciale, mais je savais pirater des Skyblog et des... MSN, oui, dans le temps. Donc oui, Skyblog, ça remonte à quand même une petite dizaine d'années, hein, voire plus maintenant. Ok, bon. Et MSN aussi, donc tu as accédé sur des comptes MSN. Une autre époque, hein, que les jeunes ne connaissent pas. Tout ça, c'est un peu l'époque des sales réseaux et compagnie, où on devait payer pour avoir une bonne connexion Internet. Maintenant, je pense qu'on a tous notre petit confort chez nous. Le Selected. Est-ce que mon bouton a des états sur Unreal? Je ne sais plus, je pense. Donc là, j'ai un bouton. Et le bouton, qu'est-ce qu'il a? Il a le on-click, on-over. Donc je vais cliquer sur le on-over. Et je vais avoir un état. Donc là, c'est un événement qui va faire que quand je passe en over, donc avec la souris dessus, je vais par exemple pouvoir jouer une animation. Donc je fais un play animation et je vais sélectionner dans à gauche mon animation qui est le selected anime. Alors je fais ça vite, hein. Un peu désolé. Donc normalement, on va avoir une anime de zoom en selected. Et je pense que via AOL, on avait c'est IM dessus, le messenger là, d'AOL, quand on avait les disques avec 100 heures, 50 heures, etc. Afin de gratter du temps gratuit. Parce que les forfaits, malgré tout, ça coûtait super cher. Ah, on a nos animations de zoom qui font des résultats un peu horribles. Voilà, j'ai fait un effet vomi. Bon, on a le zoom, il manque un masque derrière pour éviter que ça déborde sur les autres boutons. Je savais que cette anime-là allait créer un résultat un peu bizarre. Donc je peux créer un state, un état normal. Les cartes de 10€ à la boulangerie avec son SMS, ouais, c'était pas une super super époque quand même. Bon, c'est des bons souvenirs, mais heureusement que ça a changé tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le on released ou on and over. Donc là, quand je ne suis plus sur le bouton, on peut lui faire... Bon, j'appelais ça un normal anime, hein, c'est un peu remettre l'état normal du bouton. Et il va avoir un scale en 0. C'est déjà une première sécurité pour notre bouton.
on va lui faire un play animation et on va lui mettre le normal anime, donc un get normal anime. Et il devient fou. Il devient fou parce qu'au début il avait pas bien pris la souris. Donc là dès que je lâche, je sors de la zone et il a un peu du mal à sortir de la zone. Normalement le bouton revient à son état normal. Ouais bof quoi. Bof bof bof. Pas l'air de fonctionner tant que ça. Pourtant c'est on and over et j'ai bien mis à l'animation normale. Il n'y a pas de loop dessus. Est-ce qu'il a bien saved lui, je pense. Donc lui il est en zoom et quand je sors dessus il a du mal à sortir en fait à cet endroit là à cause du scale je pense. Oui il faut mettre un masque, il n'y a pas d'autre solution. Ça évitera d'avoir des problèmes de double sélection comme là en fait. Quand dès que je suis entre deux zones, il sélectionne les deux en même temps. Donc ça c'est le problème du scale qui peut être résolu avec un masque derrière. Si je veux pas m'embêter pour l'instant avant de remettre le scale parce que ça va prendre du temps à régler, on va pas mettre notre transformation, on va juste faire un changement d'état. Je vais rajouter une image derrière, comme ça, et cette image là, c'est si compliqué, ouais c'est dur, c'est pas un logiciel qu'on prend en main très très rapidement malheureusement. Ouais, il y a un temps d'apprentissage dessus, ça c'est sûr, mais avec du temps on s'y repère quand même assez bien. En fait, l'idéal pour faire des vrais tutos, parce que là, je suis pas dans l'objectif tuto, là, je suis en objectif, il faut que je termine ce menu-là pour samedi. Non, pas quelques années. Bah, pour faire que de l'interface, comme je fais, là, de la 2D sur le programme, je dirais qu'en deux semaines, c'est appris, si tu connais un peu Photoshop derrière, si tu connais des autres programmes, parce que c'est toujours un peu la même chose qui revient tout le temps, juste la mise en page est un peu différente. Après, tout ce qui est partie programmation, là, ce que je faisais un peu dans le grave derrière pour brancher, oui, ça prend plus de temps. Ça, c'est sûr. Après, il y a des bons tutos sur Internet, du coup, beaucoup plus lents et qui permettent de voir ça. Et c'est quoi le plus compliqué là-dessus? Bah, je dirais que le plus compliqué, c'est que comme c'est un moteur de jeu, tu peux tout faire, en fait, dessus. Donc là, je suis en mode réalisation que d'interface. Mais derrière, si tu regardes, j'ai toute la partie 3D. Qui permet déjà de modéliser, peut-être pas trop modéliser, mais qui permet de gérer, créer des maps, créer des niveaux du moins, de jeu. Je pense que c'est vraiment la programmation pour moi le plus dur, hein, mais ça dépend vraiment à tout à chacun, quoi, parce que chacun a des préférences, chacun aura peut-être plus de talent dans certaines choses, donc peut-être que des personnes vont te répondre, le level design c'est plus compliqué, parce que c'est dur de monter les éléments dessus, faire quelque chose de qui est fonctionnel. Mais non, pour moi, la programmation reste le plus dur. Après, ça peut-être prendre du temps à se lancer, mais je vais te montrer un truc que j'ai fait avant, si je l'ai sur le réseau. Donc là, tu vas peut-être te brûler les yeux, mais sur le réseau que je n'ai pas accès, donc non. Non, parce que j'avais créé d'autres jeux derrière sur Unreal. Ça sera pour une prochaine fois. Mais oui, on peut vraiment tout faire. Hein. Tous les éléments, je peux les prendre, je peux les dupliquer, je peux commencer à mettre d'autres éléments, etc. Et créer vraiment un niveau 3D, me déplacer dessus. Oui, le blanc pique. Le blanc, cette heure-ci, c'est assez violent. Désolé pour ce passage assez chaud. Je termine juste mon état over, hein, je pense, pour ce soir. Donc l'état de sélection du bouton. Et j'arrêterai là. Peut-être que demain j'en ferai une vidéo aussi, alors ça va être en mode speed, mais de quoi terminer toute l'interaction du programme. Donc ça serait 2-3 streams pour avoir l'intégralité d'un petit programme, ce qui est toujours sympa. Le selected ici, pour terminer, je vais retirer mon image de God of War, donc la petite flèche ici. Donc là on a un rectangle blanc.
Alors, tout blanc, c'est un peu fort aussi, ça va encore cramer. On va juste éclairer l'image. Donc là, j'ai retiré le scale. Et je veux juste dire que quand je suis en selected, j'ai cette image-là qui apparaît, donc l'image que j'appelais over. Je lui mets une opacité en 0,2 quand il est en sélectionné. Et quand il est en normal, je mets en 0. Oui, je te montre la fin en stream, comme ça tu pourras consulter, même si t'es pas connecté, hein, tu pourras voir ça. Les vidéos restent en ligne quelques temps. C'est toujours sympa pour voir. Et même quand c'est trop rapide, tu peux mettre en pause et regarder. Hein, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve que c'est un programme qui offre pas mal de liberté. Au final, tu peux créer des petits jeux 2D rétro, hein, comme à l'époque, les petits Mario, etc. Moi, je m'étais recréé une sorte de Megaman en tuto pour essayer d'apprendre le truc. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'était sympa à faire. Voilà. Donc là, j'ai un petit souci sur ma sélection qui fait. Tu veux voir tout ça en direct. Alors, ça sera sûrement demain soir après le taf, hein, dans les mêmes heures, un petit peu plus tôt si possible. Donc du 23h, je pense. Normal anime, là j'ai un petit problème de. Voilà, il est en 0,2, donc là j'en mets en 0. Et là, notre sélection devrait fonctionner. Voilà. Donc là on a la sélection qui passe dessus. Il nous manque juste de dire maintenant que quand on clique, je travaille dans quoi? Je travaille dans le jeu vidéo du coup. Donc c'est la même chose. Actuellement, je travaille pour Ubisoft. Ça fait 2 ans que je suis chez eux. Et avant, je travaillais dans une autre boîte un peu plus petite de jeux vidéo. Je trouve que ce qui est sympa, c'est de travailler dans des projets perso aussi à côté, pour se faire plaisir faire ces petits trucs personnels en fait. Hein. Au niveau de la créativité, c'est toujours sympa. Voilà. Donc là, ça marche plutôt bien. Il nous manquerait un effet au clic. On pourrait même dire que quand on passe sur un bouton, que les autres s'obscurcissent, mais bon, ce sera un petit plus. Et ce qui serait bien, c'est que quand je clique dessus. Oui, exactement. Graphisme chez Ubisoft, mais interface. Hein. Interface, du coup, pour expliquer vraiment qu'est-ce qu'une interface, c'est tout ce qui est les menus de jeu. Donc à partir du menu principal, voire même les logos que tu vas avoir au début, les petites cinématiques. Sinon, c'est tout ce qui est menu, un menu d'inventaire, menu tout ce qui est personnage, mais également le HUD. Donc, le HUD, c'est quand tu es en cours de partie, ce qui va te montrer tes munitions et tout ce qui est notif sur la 3D, en fait. Voilà. Je voulais voir pour le bouton quand même, pour changer un truc. C'est que quand tu cliques sur le bouton, donc là, j'ai. Est-ce que je mets mes Elements au-dessus? Millionnaire? Ah non, pas du tout. Non, moi je suis employé, c'est salaire fixe. Enfin, celui qui se fait des sous, ce sont les gens au-dessus de moi. Moi je resterai pauvre. Non, bon, ça paye. Ouais, je vais pas dire bien, si ça paye bien, mais ça reste un boulot, ouais, ça reste un boulot, quoi. L'idéal, ça serait de faire un petit jeu à côté qui marche bien, mais le marché est déjà saturé. En général, ça ne marche pas du tout. Donc là, j'ai un bouton. Je peux faire un overlay. Donc là, c'est tous les éléments du bouton en normal. Une fourchette. Quand j'ai commencé dans le jeu vidéo, donc j'avais un master, j'étais en bac plus 5, je faisais plutôt du web et application à la base, hein. Donc j'ai fait un master plutôt orienté web, application. J'avais déjà travaillé 5 ans avant dans des applications dans du web, du coup, et j'ai commencé dans le jeu vidéo, je touchais 2000 net sur Paris. Donc 2000 nets sur Paris, c'est pas terrible. Quand t'as une famille et tout, et t'es tout seul à rapporter de l'argent, tout part dans le loyer, tu peux limite pas louer. Et là,
chez Ubi, je suis à un peu plus en fait. J'ai parlé en K, du coup j'ai commencé à 40K chez Ubi. Est-ce que j'ai travaillé sur For Honor ? Non, For Honor ça se passe plutôt au Canada. Peut-être qu'il y a des studios en France qui travaillent dessus, mais je n'en suis pas sûr. Je connais des gens qui sont partis bosser dessus. C'est un bon projet, For Honor. Ça doit être cool de bosser dessus. Et une fois de plus, le jeu vidéo, ce qui est vraiment intéressant, ce que j'ai aimé, pourquoi je suis parti dans le jeu vidéo, contrairement au web, c'est côté créatif. Le web, je commençais à m'ennuyer. Ça dépend des projets, hein. Des fois, il y a des projets sympas, mais je préfère vraiment rester dans un milieu qui me plaît, donc milieu passionné. Et quand tu fais du design, par exemple, sur For Honor, bah, c'est quand même plus sympa de dessiner des trucs typés médiéval, fantasy, combat et autres, que faire juste des... enfin, je sais pas. Mais bon, c'est sympa, voilà. Et je vais quand même faire mon petit overlay qui s'appelle, lui, en... clic, non, c'est n'importe quoi. Comment j'appelle, ça serait... ouais, cliquer, mais c'est pas cliquer, tant pis. En fait, ça serait plutôt du contenu reveal. Ouais. Niveau nommage, hein, je suis vraiment nul. J'ai travaillé sur quoi comme gros jeu? Alors, récemment, il y avait Ghost Recon Breakpoint qui est sorti en octobre. Ça, c'est le gros jeu Ubi, du coup. Et avant, j'ai bossé sur des jeux plutôt double A. Donc, c'est moyenne production. C'est-à-dire que dans les anciens jeux sur lesquels j'ai bossé, on était en tout une quinzaine par jeu à bosser dessus, voire 40. Contrairement à Ubisoft, on peut être 500 à travailler sur un jeu. Et dans les anciens jeux, du coup, il y avait Styx Shard of Darkness qui est sorti en mars 2017 sur PC, Xbox One et PS4, qui est un jeu d'infiltration, un peu moins connu, mais qui était un très bon jeu, hein, qui était noté plus de 15-17 sur 20. Un peu old school, on sent qu'il n'y avait pas énormément de budget, hein. On n'avait qu'un ou deux animateurs sur le projet, j'étais le seul à faire toute l'interface. Mais ça reste des projets, une fois de plus, de passionnés, du coup, vu qu'on s'amuse bien, on reconnaît la patte de chacun, qui a fait quoi, etc. Donc ça, c'était cool. Moi, je plus sois ce genre de truc. Lequel, le super jeu, du coup Après, c'est vrai que je me suis arrêté sur Styx, mais j'ai également bossé sur Call of Cthulhu. Un autre jeu PS4, Xbox One, PC, Infiltration, non, c'est pas Infiltration, c'est un jeu narratif, hein, plutôt, avec teinté d'horreur, parce que ça, Call of Cthulhu, hein, ça vient de Lovecraft, et c'est de l'horreur. Est-ce que j'ai jamais rencontré des échecs dans le codage ou l'interface de jeu? Y a souvent des problèmes d'ergonomie, hein, de toute façon, dans les interfaces. Il y a beaucoup de jeux que, quand tu y joues, tu vois que c'est assez complexe à manier. Dans les trucs de base, c'est dans les tutos en général, les gens bâclent les tutos, du coup on t'explique des séquences de gameplay, comment jouer au jeu, mais tu lis pas l'information, tu n'as pas accès, voir, c'est pas du tout expliqué, et ça c'est un peu les ratages que tu peux avoir dans l'interface, donc c'est faire que les joueurs ne comprennent pas comment jouer au jeu alors que c'était pas le but. Et sinon, on a un service dans tous les jeux qui s'appelle QC, donc ça c'est sympa, c'est Quality Assurance. C'est des gens qui vont tester le jeu toute la journée, hein, de toute façon, et qui vont voir les bugs. Donc en général, moi j'ai une interface, pas une interface, j'ai un programme qu'on me dit ça c'est bugué, il faut résoudre. Donc t'as quand même un bon service derrière pour empêcher d'avoir des gros bugs dessus. Après t'as des bugs un peu plus légers, hein, qui peuvent passer. Mais oui, voilà, après j'ai des histoires privées, mais je vais peut-être pas trop en parler en ligne, même si je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis, mais il y a quand même toujours des anecdotes sympas, sans citer précisément, c'est qu'on, des fois on laisse des textes par défaut dans les jeux avant qu'ils passent dans la localisation, donc entre le français et l'anglais. Et si le code passe pas, celui qu'on laisse une phrase à la con, genre, je sais pas, beat ou ta mère en slip, des conneries du genre, ça peut rester dans les versions finales. Et ça arrive assez souvent dans les jeux d'avoir des textes un peu bizarres qui s'affichent, soit parce qu'une mise à jour n'est pas passée, soit parce que le code ne passe pas.
Donc faut toujours, quand on utilise des images qu'on appelle ou du text placeholder, donc c'est par défaut qui vont être remplacées, toujours penser à des choses très neutres. Pas mettre des images farfelues et trucs comme ça, parce qu'il y a une chance sur deux qu'un jour ça passe et quelqu'un le voit. Ouais, bah ça c'est un peu les trucs à la con. Hein, mais... Et il y a un truc marrant aussi dans le jeu, du coup ça, là j'avance plus du tout, je bosse plus. Mais il y a un truc marrant dans le jeu aussi, c'est que la première release, donc la première fois que tu sors un jeu, un gros jeu, c'est super stressant en général. C'est quand même, ça fait super flipper parce que tu sais pas comment il va être reçu. Et t'as un côté très scolaire aussi dans la notation en fait, parce que comme t'as tous les journalistes qui notent le jeu, donc t'attends, et souvent t'as toute l'équipe qui attend les tests de jeuxvideo.com, Gamekult, etc. Et voir. Qu'est-ce que les gens, les testeurs vont en penser? Et quand t'es dans une petite équipe, si on te dit l'interface est ratée, que t'es le seul à avoir bossé derrière, bah t'es un peu le maillon faible de l'équipe et c'est la honte. Non, non, mais c'est un peu stressant, du coup on attend un peu les retours. Alors c'est vrai qu'il y a des points qui sont un peu plus près visibles, mais bon, c'est un côté très scolaire là-dessus, c'est un peu bizarre. Comment on peut être en qualité assurance, comment on peut bosser dessus? Non, non, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, le but c'est également d'avoir des questions. Du coup, j'ai raté les trucs. C'est bien Styx, c'est très bien, surtout le 1 et le 2. En fait, il y a ces deux qui sont sortis. Et je crois qu'ils sont le 2 il doit être gratuit sur le Game Pass, sur Xbox et PC, actuellement. Donc, ça, c'est le petit coup de pub. N'hésitez pas à regarder. Donc, d'ailleurs, je vais juste mettre dans le chat comment ça s'écrit, c'est Styx. Et comment être QC? Bah QC, je crois pas qu'il y a d'école particulière à faire, il faut juste postuler au studio. Voilà, je pense après, il doit y avoir des vidéos comment être QC. Je peux regarder ça vite fait, mais ça va encore brûler les yeux si j'ouvre Firefox. C'est en fait sur Ubisoft, sur le site d'Ubisoft Jobs, ils présentent chacun des métiers, les corps de métier. Ils font que ça que leur vie, en général, c'est des futurs game designers, parfois. Donc c'est un taf normal. Il y a des gens qui font ça toute leur vie, il n'y a pas de souci. Mais il y en a beaucoup également. Oula, j'ai le problème qui a sauté. Il y en a beaucoup également qui vont faire ça 1 an ou 2 ans, afin d'analyser à fond le design d'un jeu, et ensuite bosser en tant que game designer. Donc après, un game designer, c'est créer les règles du jeu. Donc certains qui vont tester le jeu comme ça, c'est juste une sorte de période d'apprentissage, on va dire. Et ensuite, ils passent vraiment sur le projet en faisant les règles, par exemple. Bon, le personnage peut avoir 3 pistolets maximum sur lui, etc., etc. Voilà. Et je vais changer juste mon background dark. Après, j'avoue que les mecs qui font ça, moi j'ai beaucoup de respect hein, parce que c'est quand même épuisant de jouer au même jeu tout le temps, mais en général ils le font bien, c'est des gars super sympas, du coup, non, vraiment respect. Après, ce qui est sympa aussi pour s'approcher du milieu, c'est tester les jeux simplement en tant que, pas visiteur j'ai envie de dire, mais parfois ils font des sessions de tests de jeux. Donc tu peux faire playtester, c'est playtester je crois le nom, et tu peux venir 1 semaine ou 3 jours pour tester les futures sorties. Donc tu as un papier à signer pour pas révéler sur quelle licence tu as vu, si ça n'a pas été révélé. Et c'est quand même payé, donc c'est bien pour se faire un peu d'argent de poche et connaître un peu le milieu. Ça c'est cool. Hein. Ça, je vais mettre en 0,8 l'opacité. Donc ça, c'est quand le mec va cliquer dessus. Ah, il peut mettre qu'un overlay dans l'autre. C'est nul. Là. Il va faire n'importe quoi lui. Mais forcément, il va pas falloir que je le mette dedans. Il aurait fallu que je mette les deux états séparés sur 2 layers, sur 2 calques différents, afin de gérer l'état normal et l'état carte révélée.
Comment je vais faire ça, moi? Parce que du coup, j'ai déjà tout mis. Je vais mettre ça là-dedans. Dans le normal. Est-ce que je la mets dans le normal, du coup? Non, c'est dans celui-là. Ah non, c'est juste que je peux pas mettre d'overlay, deux overlays dans le même. Non, c'est bon. Oula, non, non, je vais bientôt arrêter parce que je commence à faire n'importe quoi. Donc voilà, là j'ai créé mes deux états. On va voir l'état normal, donc là, vu qu'on n'a pas l'anime, on voit pas le contenu. L'animation jouait à côté, hein, c'était l'opening anime. Donc là on a l'état normal et on a l'état reveal. Sur l'état reveal, je vais pouvoir ajouter d'autres informations dessus. Et l'état reveal, il faut cliquer dessus. On compile, on save et on va regarder pour créer l'état cliqué. Donc cliquer, c'était dans les états du bouton. Bon, on va l'appeler ça, ça serait... Oh, mais les mêmes boutons. Un mélange de français et d'anglais, c'est parfait, c'est bien. Horrible. Mais on s'en fout. Unpressed, unclicked, unreleased. Juste on clique. Du coup, ils vont se retourner, ils vont rester retournés, c'est un peu bof. Et là, du coup, unclicked, du moins, je peux changer la visibilité des éléments. Alors, dans Unreal, il me semble que c'est visibility, mais je suis pas sûr. Set visibility, voilà, parfait. Set visibility. Et on va rendre nos éléments en variable reveal state et normal state. Donc là, je peux dire que quand je clique dessus. On va rendre le reveal state visible. Alors il faut bien qu'il soit caché par défaut. Alors là, ça va rester affiché par la suite. Ah, mais je vais mettre en flip-flop. Je vais mettre un flip-flop. Alors, flip-flop, c'est ça change d'état l'un puis l'autre et l'un puis l'autre. C'est-à-dire que lui, il va passer en A. Du coup, en A, il va le révéler. Et ensuite, quand si je clique une deuxième fois, il passe en B. Donc il passe en A, après il passe en B, après il passe en A, etc. Donc une fois, il va passer en visible, après il va passer en caché. On va tester si je clique plusieurs fois sur les boutons. Donc là, c'est inversé. Mais ça marche en nul. Donc je clique. J'ai mon état over qui est très basique. Il va falloir que je retravaille le visuel, histoire d'avoir un truc un peu mieux. Je clique, ça révèle, je clique, ça s'en va. Donc là, on a les trois God of War. Je clique, oups là, j'ai le contenu. Et je tourne mon animation d'ouverture qui se joue mal parce que le truc passe de devant. Parce qu'il devrait pas être dans cet état-là. Il devrait pas être dans cet état-là. Parce que par défaut, j'ai dû le mettre en visible. Donc par défaut, il doit être en... Oula, hidden. Donc si par défaut, il est caché, ça s'ouvre. J'ai bien les différents états que mes animations d'ouverture. Le hover, on va le retravailler. On le fera nettement mieux. Et donc, je clique dessus. Et je cache mes images. En fait, ça serait même sympa d'avoir les images cachées de base. Oui, pas de souci. Alors demain, 23h, hein, on reprend tout ça. C'est vrai qu'il est 2h du mat, au final. Hein. C'est que ça passe très très vite quand on bosse sur ce genre de truc. Merci d'avoir suivi, et une bonne nuit, donc, à toi. Repose-toi bien.
et à demain. Moi j'ai juste terminé un petit truc trop vite. Oui, moi je trace. Parce que pourquoi je vais trop vite? C'est parce qu'il faut que mon programme soit prêt pas demain soir ou après demain soir. En fait, d'ailleurs, je dis à demain, mais demain, je crois que demain, je sors demain soir, moi. du Times. C'est-à-dire du Times. Du coup, c'est un peu compliqué parce que là, j'ai cours avec les étudiants. Donc là, j'ai montré ça à des étudiants de Master 1, comme je parlais tout à l'heure. J'ai cours avec des Master 1 samedi matin. Donc il faut que ce petit programme-là soit prêt samedi matin. J'ai dit que demain soir, je me connectais, mais demain soir, je vais à un concert, donc c'est un peu nul. Je crois pas que je vais être rentré à 23h, mais en tout cas, je bosserai demain soir dessus, demain dans la nuit, du moins. Donc ça sera peut-être un peu plus tard. Et oui, le temps, oui, d'accord, oui, j'ai compris. Le temps passe trop vite. Oui, c'est vrai que quand on fait du... quand on discute, etc., ça passe super vite. Oui, autant pour moi, désolé. Voilà. Mais, là, on aura un truc fonctionnel, de toute façon, pour samedi, c'est sûr. Le fait de bosser demain soir, dans la... bah, demain après le concert. Je pense qu'en 2 heures, hein, c'est fini, de toute façon. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est pour finir ce programme-là. Donc là, j'ai... ça, c'est mon petit Photoshop derrière. J'ai caché mes layers. Donc là. On a différents programmes. J'ai pas mis tous les programmes encore. Ça, ça va aller vite à intégrer. Je raffiche un peu tout. On a... pour les Master 1 donc, qui vont m'avoir, ils vont m'avoir 18h. Il manque encore les fonds ici aussi. J'aurais dû faire un reset de mes éléments. On a les parcours qu'on a vus tout à l'heure. Donc, j'ai un bouton qui a été mis 3 fois. Parce que c'est le même bouton au final, mais juste que le contenu image et texte n'est pas le même. Donc pour gagner du temps en informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un seul bouton avec toutes ces animations, tous ces états. Et après, en code, on dit c'est le bouton 1, j'envoie le contenu du bouton 1, c'est le bouton 2, j'envoie le contenu du bouton 2, etc. Donc en tout, j'ai 6 boutons. Donc là, il y a ces 3 boutons-là qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui est un parcours orienté pratique. Donc là, ce que je vais expliquer aux étudiants via ce petit interactif, c'est qu'on va pouvoir faire l'interface de Jedi Fallen Order en cours, ou celle de God of War, ou celle de Zelda. On va la faire sur Photoshop en premier. Et ensuite, on fera une intégration sur Unreal Engine, donc comme là, je faisais le programme, afin de la rendre un peu fonctionnelle. Alors, c'est que j'ai que 18 heures avec eux, on fera sûrement qu'un écran, on fera que 2-3 modules, on n'aura pas le temps de faire tout. On peut pas faire un an de travail en 18 heures, ça c'est sûr, mais on va voir, je vais voir avec eux comment fonctionne le métier, au moins avoir les bases, ce qui est bien pour commencer. Donc là, on a un parcours pratique et UI, et il me manque également ces éléments-là, qui sont le parcours théorie. Donc ils peuvent choisir s'ils veulent plutôt faire de la pratique Photoshop et compagnie Unreal, ou s'ils veulent plutôt apprendre les règles. Donc là, c'est des cours un peu basiques, qui vont être un peu un résumé, qu'est-ce que la UI, donc qu'est-ce que l'interface, qu'est-ce que l'UX, qu'est-ce que l'expérience utilisateur. Un cours sur les contrôles et feedback. Donc tout ce qui est contrôle et feedback, c'est à dire que sur console on a différents types de manettes et comment on va faire pour que le jeu fonctionne avec ces manettes là, comment le rendre agréable. On a des conventions, dans les jeux de tir en général on tire avec les gâchettes derrière, on est habitué à sauter avec le bouton du bas, donc sur croix sur PlayStation, le A sur Xbox, et les sticks analogiques pour déplacer le personnage, donc c'est des trucs comme ça. Après on a un cours sur l'accessibilité, c'est rendre les jeux accessibles au maximum de personnes, les personnes qui ont des problèmes de déficience visuelle, sonore, auditive du moins, je dis n'importe quoi, cognitive, etc. Donc on a des techniques dans les jeux pour rendre tout ça jouable, donc parfois une caméra automatique, parfois bloquer le temps, les sauvegardes, etc.
Et après, on a l'exercice, hein, faut qu'il travaille. Donc, il y a la possibilité de créer un petit jeu vidéo. Pourquoi pas faire un exercice d'entretien, comme on donne pour entrer au travail. Comme ça, au moins, ça permet de préparer les étudiants à un vrai entretien de travail. Voilà, voilà. Donc, le but, ça serait d'avoir un choix de deux cartes au début. Soit le parcours théorie, soit le parcours pratique. Et ensuite, d'avoir le détail de chacun de ces boutons-là. Si j'ai le temps après, ça serait d'intégrer cette interface-là, qui est juste 2D. Merci, Uchiha-sama. Merci. Oui, le but, c'est que ça soit un peu amusant et que surtout qu'il prépare au métier. Voilà, donc le but, c'est d'avoir, dans ce petit programme-là, d'avoir les cartes interactives, qui permet également, pour moi, de m'amuser, pour voir également... C'est un peu, on dirait un peu Inception, quoi. C'est d'avoir une interface qui montre un cours d'interface. Et ça, je peux le rendre du coup, parce que vu que ça fonctionne sur Unreal, en fait, c'est du travail de jeu vidéo aussi. Hein. Donc, je peux rendre ça interactif avec la manette, la souris, etc. Et le top du top, ça serait d'avoir une salle en 3D. On a pu voir dans Unreal tout à l'heure qu'il y avait, que j'ai déjà une petite salle 3D. Donc, je peux recréer un nouvel environnement vraiment ici. Qui peut être médiéval, cyberpunk, etc. Et avec l'écran au fond, avec mon interface. Ça serait marrant en fait de se déplacer et de venir et voir le programme et le sélectionner dessus, comme dans Doom ou des trucs comme ça. Ça serait le top. Donc pour le faire, en gros, ça serait de rajouter un élément ici, hein, genre un cube ici. Voilà, on met une texture à la con. Je fais un truc abominable. Hop là. Je peux mettre ça là-dessus. Et devant, sur cet élément-là, je pourrais mettre l'interface qui apparaît. Du coup, c'est comme si on pourrait la voir en VR, avec un casque. Mais on verra. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps. En tout cas, merci d'avoir suivi. N'hésite pas, parce que tu es le dernier à suivre ce stream. À revenir, si tu me suis les notifs, hein, pour le prochain. De toute façon, ça reste sur Twitch aussi en ligne, et je les mettrai peut-être sur ma chaîne YouTube également. Voilà. Donc ça restera en ligne, hein, donc ça permettra de voir de A à Z. Cela, j'ai commencé. Le Photoshop était déjà prêt, hein, mais j'ai commencé avec le découpage du Photoshop. L'intégration Unreal a été faite 100%. Sur Twitch. Voilà, bah merci d'avoir suivi, et si tu as d'autres questions, etc., n'hésite pas à revenir, à poser tes questions. Super, cool. Eh bien, merci, et repose-toi bien. Moi, j'ai coupé le stream tout de suite, ça va être assez violent, je pense, à la coupure, ça va être net. Merci bien, et une bonne nuit, alors. Salut.